Leçon de grammaire, les compléments d'objet, première partie. Donc sur cette page, vous avez des phrases et des groupes nominaux qui sont soulignés. Tous les groupes nominaux sont des compléments d'objet. Il faut différencier les COD, compléments d'objet direct, des COI, compléments d'objet indirect. Je rappelle que l'on reconnaît un CO parce qu'il est placé après le verbe, qu'il est non déplaçable et difficilement supprimable, surtout quand il est tout seul, quand il n'y en a qu'un. Les COD répondent à la question « quoi » après le verbe, tandis que les COI vont répondre à la question « à quoi ?»,« de quoi ?» Par exemple, le garagiste examine la voiture de mes parents. Le garagiste examine quoi ? La voiture de mes parents. Il s'agit d'un COD. Je pense à mes amis. Je pense à qui ? Vous remarquerez la préposition « à ». C'est un COI. Nous lisons fréquemment des livres. Nous lisons fréquemment quoi ? Des livres. C'est un COD. Les automobilistes respectent les règles de circulation. Ils respectent quoi ? Les règles de circulation. C'est un COD également. Cette montre appartient à Stéphanie. Cette montre appartient à qui ? À Stéphanie. C'est un complément d'objet indirect avec préposition A. Elle parle de son sport à son ami. Elle parle de quoi ? De son sport. C'est aussi un complément d'objet indirect. Elle parle à son ami. Elle parle à qui ? À son ami. C'est également un complément d'objet indirect. Il y a ici deux compléments d'objet indirect qui se suivent. Il cultive les betteraves pour les animaux. Vous voyez deux groupes nominaux soulignés, il y a donc deux compléments d'objet. Le premier, les betteraves, il cultive quoi ? Les betteraves, c'est un complément d'objet direct, COD. Pour qui ? Les animaux, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Phrase 9, vous devez 10 euros à votre voisin. Vous devez quoi ? 10 euros, COD. À qui ? À votre voisin, COI. Peux-tu rendre ce livre à Jérémy ? Ce livre COD à Jérémy, le deuxième, est un complément d'objet indirect. Retrouvons ici les compléments d'objet, sachant que cette page est plus difficile puisqu'ils ne sont pas soulignés. Donc il va falloir identifier le sujet-verbe dans un premier temps, et ensuite, parmi les différents compléments, isoler uniquement ceux qui sont compléments d'objet. Louis enfile rapidement sa tenue de sport. Louis enfile constitue le sujet. Enfile quoi ? Sa tenue de sport. Ludo démonte le dérailleur de son vélo dans la boue. Ludo démonte quoi ? Le dérailleur de son vélo. Pendant les vacances, papa a repeint toute ma chambre. Le sujet et le verbe sont papa et a repeint. Papa a repeint quoi ? Toute ma chambre. Aline a invité sa copine Louise pour son anniversaire. Aline a invité qui ? Sa copine Louise. C'est un COD. Le médecin conseille à ma grand-mère de manger moins de chocolat. Le médecin conseille à qui ? À ma grand-mère. Le médecin conseille quoi ? De manger moins de chocolat. Un COI, complément d'objet indirect, à ma grand-mère. Et ensuite, un deuxième complément d'objet indirect. Demain, je t'aiderai à changer la chambre à air. Je t'aiderai à quoi ? À changer la chambre à air. Le garagiste fournit des explications à mes parents pour la nouvelle voiture. Il y a ici un certain nombre de compléments. Le garagiste fournit
quoi des explications, à qui, à mes parents. Vous allez avoir des verbes qui vont se découvrir au fur et à mesure et vous devez compléter avec un complément d'objet de votre choix. Vous verrez qu'il y a certains verbes qui admettent des compléments d'objet directs et d'autres qui préfèrent les compléments d'objet indirects. Attraper. Alors, faisons une phrase avec un sujet, un verbe, bien sûr, et un complément d'objet de votre choix. Par exemple, j'attrape la balle. Gagner. Il a gagné la coupe. Écrire. J'écris une carte postale à ma grand-mère. Là, nous avons ajouté deux compléments d'objet. Parler. Je parle à ma voisine de classe. Il s'agit d'un complément d'objet indirect. Répondre. Nous répondons aux questions. Complément d'objet indirect. Sur cette page, vous avez encore une fois des phrases et il faut trouver la fonction des groupes nominaux qui sont soulignés. Je rappelle qu'un groupe nominal est un ensemble de mots dans lequel il y a au moins un nom commun. Il peut y avoir dans la phrase d'autres compléments et même d'autres compléments d'objets, mais il vous faut trouver uniquement la fonction du groupe nominal souligné. Vous avez le choix entre complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Juliette a écrit une carte postale à sa copine. Vous voyez une préposition à, vous posez la question à écrit une carte postale à qui, et vous trouvez tout naturellement qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Les voisins se plaignent souvent du bruit. Ici, la préposition est du. Se plaignent de quoi? Du bruit. C'est également un complément d'objet indirect. Ma petite sœur adore les histoires d'animaux. Ma petite sœur adore quoi? Les histoires d'animaux. Ici, c'est un complément d'objet direct. Demain, nous participerons tous au cross de l'école. Nous participerons à quoi? Au cross de l'école. Avec son papa, Amandine parle de son sport favori. Vous noterez la préposition « de » et la question correspondante. Amandine parle de quoi? De son sport favori. C'est donc un COI. J'ai ramassé des champignons dans les prés. J'ai ramassé quoi? Des champignons. Il s'agit d'un COD. Roxane prend son gros chat dans ses bras. Complément d'objet direct également. Simon dit bonjour aux gens qui attendent chez le boucher. Simon dit bonjour à qui? Aux gens qui attendent chez le boucher. Je vous ferai remarquer ici que le groupe nominal avec le nom principal Jean est assez étendu. Il faut donc souligner tout le groupe nominal. Ce chien n'obéit pas du tout à son maître. N'obéit pas à qui? À son maître. Encore un COI. Et enfin, Natacha propose du café aux passagers de l'avion. Elle propose du café à qui? Aux passagers de l'avion. COI. Sur le cahier, vous allez effectuer ces deux exercices en reproduisant le tableau comportant deux colonnes. Une colonne complément d'objet direct, une colonne complément d'objet indirect. Les compléments d'objet sont déjà surlignés, il vous suffit de les classer dans le tableau. Exercice 2, cette fois c'est à vous de souligner les COD. Bien sûr, vous commencez par repérer verbe et sujet et ensuite poser les questions pour identifier des CO après les verbes. Encore deux exercices ici sur cette page. Vous allez devoir souligner les CO et entourer la préposition qui introduit ces COI. Dans l'exercice 4, vous indiquez si le groupe nominal souligné est sujet ou COD. Je vous rappelle, la question que l'on pose pour déterminer un sujet n'est pas la même que pour déterminer un COD.
vous identifiez le verbe dans un premier temps, et ensuite vous posez la question « qui est-ce qui ?» pour identifier un sujet, et « verbe plus quoi ou qui ?» pour identifier un COD. Faisons la première phrase ensemble. Au centre de l'île, un trésor est caché. Qui est caché? C'est le trésor. Donc, trésor est sujet. Voici la leçon que vous devez compléter à l'aide des mots qui sont en bas de la page. Il existe deux compléments d'objets. Le complément est placé directement après le verbe. Il s'agit du complément d'objet direct. On le trouve avec la question « quoi ou qui ?» J'aime quoi ? Les bananes. Le complément d'objet indirect est placé également après le verbe, mais il peut être placé en deuxième position, et il commence par une préposition. Les prépositions sont « à », « de », « sur », « par », « contre ». Pour le trouver, on pose la question « à quoi ?»« à qui ?»« de quoi ?» Par exemple, je parle à qui ? À ma voisine. Je rêve de quoi ? De jouer au handball. Il peut y avoir deux CO qui se suivent. Ici, on vous donne l'exemple de deux COI qui se suivent. Je parle de mes vacances. À qui ? À ma voisine. Dernière page d'exercice. Vous avez des phrases sujet-verbe en noir ici et vous allez devoir les associer avec un CO. Attention, il y a des intrus. Voyons l'exemple. Je réponds au téléphone. Vous préciserez, comme dans l'exemple, si ce que vous avez ajouté est un COD ou un COI. Donc je vous laisse le soin d'associer correctement et de préciser le type de CO dont il s'agit. Dans l'exercice 6, les groupes nominaux sont déjà soulignés et vous devez simplement indiquer s'il s'agit d'un COD ou bien d'un COI. À vous de jouer.